Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à notre webinaire avec la société TME Pharma. Alors TME Pharma est une société de biotechnologie spécialisée dans les nouveaux traitements contre les formes graves du cancer, notamment le cancer du cerveau, et dont le candidat médicament, actuellement en étude, donc il est en cours de test avec des patients, a donné de très bons résultats, c'est un peu la nouvelle des dernières semaines. Et donc notamment sur la survie à 15 mois. Alors pour bien apprécier et comprendre les enjeux de cette survie à 15 mois, pour comprendre aussi l'activité de TME Pharma, pour comprendre sa trajectoire, son potentiel de développement, nous sommes avec Aram Mangasarian, qui est son PDG. Bonjour Aram. Bonjour Jean-Baptiste. Merci. C'est un plaisir d'être là. Moi aussi. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, bien sûr, avant que vous nous expliquiez un peu votre activité et ce potentiel de cette étude, eh bien, je précise aussi que TME Pharma est une société cotée sur Euronext depuis 2016. Et pour commencer, je vais vous proposer de commencer à nous dire qui vous êtes et qui est TME Pharma. Bon, moi je suis le PDG de la société et je suis biologiste de formation, mais ça fait plus que 20 ans que je travaille dans la biotech et ça fait principalement dans ce qu'on appelle le business development ou la partie commerciale des partenariats. Donc j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Exonhit Therapeutics. Au début, j'ai fait des alliances stratégiques avec, par exemple, Allergan, qui est une société américaine. Et je travaillais après pour une société qui s'appelle, ou s'appelait, ça n'existe plus, Novexcel, où je les ai aidés à faire une alliance stratégique en Amérique du Nord avec la société Forest Laboratoire. Et après, la société a été rachetée par AstraZeneca pour 500 millions de dollars. Donc après, TME Pharma, anciennement Noxon. Donc depuis combien de temps donc, ça fait, depuis... Je dirige la société depuis 2015. D'accord. Donc j'étais, on m'avait demandé de venir et restructurer, repenser la stratégie de la société. Et maintenant, on commence à vraiment avoir les fruits. Et je suis très content d'être là ce soir. Parce qu'on a des choses formidables à partager avec toutes les gens qui sont sur l'antenne. Alors quel est le positionnement, l'activité de TME Pharma dans ses principaux points? On focalise sur le micro-environnement tumoral. Et là, je vois les diapos qui arrivent. Et justement, notre nom, TME, c'est micro-environnement tumoral. C'est la partie du tumeur qui n'est pas les cellules cancéreuses. Parce que, en fait, il y a beaucoup de cellules qui sont piratées, les vaisseaux, les systèmes immunitaires qui sont contrôlés par la tumeur. Et nous, on agit sur cette partie pour améliorer les traitements, surtout pour les cancers où il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. D'accord. Donc, j'ai quelques diapos à partager et c'est peut-être le bon moment d'y aller. Hein. Allons-y. Merci. Alors, quand Jean-Baptiste avait dit on est public, donc il y a des déclarations prospectives dans cette présentation. Alors, notre molécule phare, c'est le NOXA12. Et c'est avec cette molécule qu'on agit sur le micro-environnement tumoral. Et on agit surtout sur les chimiokines. Et je vais en parler davantage plus tard, mais les chimiokines sont un peu comme les panneaux de signalisation dans le corps. Qui dirige les cellules en mouvement, soit les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules du système immunitaire. Voilà. Donc, cette molécule se combine très bien avec plusieurs types de traitements. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout la radiothérapie et les agents antivasculaires ou anti-VEGF. On a des données superbes dans le glioblastome qui commence à sortir maintenant vraiment avec une maturité intéressante. Alors peut-être une question sur le glioblastome, hein. Qu'est-ce que vous appelez exactement glioblastome? Merci. Le glioblastome, c'est un cancer du cerveau très agressif et le cancer du cerveau qu'on trouve le plus souvent chez l'adulte. Okay. Donc ça représente à peu près 50% des cancers qu'on trouve dans le cerveau. Juste pour préciser un petit peu, combien en France, par exemple, de personnes atteintes de glioblastome? Il y a à peu près 3 500 par an. Si on regarde l'Europe et les États-Unis, c'est presque 30 000 par an. D'accord, et c'est donc un des cancers les plus graves qui soient. Oui, tout à fait. J'ai quelques mots à dire sur ça plus tard.
Donc, nous, en termes de ce qu'on... Je vais vous montrer des données dans une minute, parce que je pense que vous êtes là pour comprendre les nouvelles. Mais on a, dans une population qui est résistante aux chimiothérapies, où les chirurgiens n'arrivent pas à enlever tout le tumeur détectable du cerveau, on a des patients, 83% des patients qui sont toujours en vie à 15 mois, alors que l'espérance de vie pour cette population est l'ordre de 10 mois. Donc on a déjà un 50% de plus, et ça va améliorer encore. Donc c'est une étude sur des gens qui sont encore en partie encore en vie. Donc, Tout à fait. plus ils vont durer longtemps, plus vous allez pouvoir recommuniquer dans peut-être 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an Exact. sur des bons résultats. Exact. Alors, même si c'est une maladie orpheline, orphelin, pardon, le cancer du cerveau, on estime qu'il y a un marché adressable à 2 milliards et demi chaque année, plus pour le cancer du pancréas, qui est l'autre cancer qu'on cible. Et les catalyseurs qui viennent, surtout, c'est les prochaines dates pour de survie. On va suivre les patients, comme vous avez dit, à 18 mois, attendus plus ou moins fin septembre. Ce que vous appelez catalyseur, c'est pouvoir coupler ça, votre candidat médicament, avec d'autres choses comme de la radiothérapie ou Non, d'autres ça c'est catalyseur en termes de la société, l'histoire de la société surtout. Après, on va parler avec les autorités réglementaires, parce que ça c'est très important pour définir le chemin vers une approbation. Alors, je vous ai promis les données, et là vous voyez trois graphes, donc trois groupes de patients. Bon, pour vous orienter, rouge c'est croissance du tumeur, vert c'est réduction de la taille du tumeur. Donc bien sûr, ce qu'on veut, c'est vert, donc une diminution de la taille tumorale. Alors les trois groupes. À gauche, ça, c'est 20 patients traités avec le standard des soins dans un des hôpitaux qui font partie de notre étude. Ce que vous appelez RT, c'est radiothérapie, hein. C'est le Exact. centre des soins. Donc le standard des soins, radiothérapie, plus un chimiothérapie standard qui s'appelle le temozolomide, donc TMZ. Donc ici, vous voyez que et ça, c'est la meilleure réponse pour chaque patient. Donc chaque ligne est une patiente et vous voyez que la majorité des patients traités avec le standard des soins, ils ont qu'une augmentation tumorale comme une meilleure réponse au traitement. Il y a 5 patients qui ont eu une réduction, donc 2 qui ont des réductions plus de 50%, ce qu'on appelle une réponse objective. Alors ce que nous avons fait, c'est on avait enlevé le TMZ. Voilà, la chimiothérapie, on l'avait remplacée par le Noxa-12. Qui est votre médicament, donc. Voilà, exact. Et là, déjà, on voit en termes de réponse, on voit 9 sur 10 qui ont une réduction de la taille du tumeur et un qui a progression comme la meilleure réponse. Donc, on avait réfléchi et on avait ajouté un deuxième médicament qui est complémentaire en termes de mécanisme d'action avec la nôtre. Et celui-là montre que tous les patients ont, en termes de radiographie mesurée par IRM, une réduction de plus que 50%. Donc, dans cette maladie, c'est formidable. D'accord. Juste pour préciser, cet anti-VEGF, c'est de quelle nature? Ça, c'est un anticorps, anticorps. Originalement créé par la société Roche. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est générique, donc nous, on achète ce qu'on appelle un biosimilaire de cette molécule pour notre essai clinique. Donc voilà les données et la survie, c'est d'ordre de 10 mois avec le standard des soins, ce qu'on avait trouvé ici et ce que vous trouverez dans la littérature. Ici, c'était 12,7, mais on avait trouvé avec des chercheurs à l'université de Bonn, il y a un marqueur dans le tissu de avant-traitement qui prédit quels patients vont répondre le mieux. D'accord. Et donc, avec les moitiés des patients, avec le score le plus élevé du biomarqueur, déjà, on est à presque 16 mois de survie médiane. La médiane, c'est quand la moitié des patients sont toujours en vie. D'accord. Et les patients qui ont ce biomarqueur, c'est la majorité, c'est une partie importante, c'est... Là, on avait juste coupé le groupe en deux.
on avait dit, voilà, celles qui ont le score le plus élevé, celles qui ont le score plus bas. D'accord. Donc, c'était un simple division en deux. Mais on n'a peut-être même pas besoin de cette biomarqueur, parce qu'avec l'anti-VEGF, on voit tout le monde a une bonne réponse. Et là, on est à 15 mois et 5 sur 6 toujours en vie. Donc ça, c'est vraiment un changement de ce qu'on a vu ici. Alors, maintenant que je vous ai dévoilé un peu la fin, comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc, tous nos molécules, ils sont ce qu'on appelle les Spiegelmer. Alors, Spiegel, c'est allemand pour miroir. Donc, ça, c'est le nom de base de notre technologie. Donc, la thérapeutique, vous voyez en bleu, c'est en fait du ARN. Mais ce n'est pas l'ARN comme dans le vaccin de Covid. Nous avons changé la stéréochimie. Donc, au lieu d'être droitier, c'est gaucher. Hein? Ça nous donne des propriétés. Il est très stable dans le sang, au contraire de l'ARN naturel. Et l'ARN, quand il est plié comme ça, dans ce qu'on appelle un aptamère, ça peut être sélectionné en termes de séquence pour que ça neutralise spécifiquement un cible dans le corps. D'accord. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est une surface d'interaction très large. Et donc, pour nos cibles de prédilection, les chimiokines, ces panneaux de signalisation dans le corps qui dirigent les cellules en mouvement, on peut neutraliser les deux domaines fonctionnels très importants. Donc, celui qui interagit avec les cellules, bien sûr, qui sont en train de passer, et l'autre domaine qui est pour ancrer. Donc ça, c'est très important aussi, parce que imaginez s'il y a un panneau de signalisation et c'est enlevé et ça commence à flotter un peu partout. Ça n'a plus d'utilité. D'accord, donc même chose pour un chimiokine. D'accord, donc si je comprends bien, il y a le système immunitaire qui essaie de réagir contre la tumeur. La chimiokine, c'est ça qui donne des indications au système immunitaire comment attaquer la tumeur. En fait, ces chimiokines, le chimiokine dont on cible, il fait partie de la défense du tumeur. Donc c'est pour ça que l'on veut le neutraliser. D'accord. En fait, il garde le système immunitaire à l'extérieur et il attire les cellules qui réparent les tumeurs. Donc c'est vraiment vicieux, il est piraté par le tumeur. Très bien. Voilà le portefeuille de nos produits. Et première ligne, c'est Noxa 12 plus la radiothérapie dans le cancer du cerveau. On va parler de ça et un des bras d'extension où on a combiné avec cet anti-VEGF, le bevacizumab. Donc ça, c'est en cours et on suit les patients de jour à jour. Donc ça a commencé quand il y avait combien de patients? Là, il y avait 10 patients dans la partie Noxa 12 plus radiothérapie et encore 6 dans la partie quand on ajoute aussi l'anti-VEGF. Donc, prochain événement, on attend, c'est la survie à 18 mois. Donc là, ça va être vraiment tellement long que si on y arrive là, avec la médiane, ça va être vraiment un exploit. Après, on teste aussi le Noxa 12 dans le cancer du pancréas. Et je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais juste, j'aimerais bien souligner que la prochaine étude clinique qu'on veut mener, qui était en collaboration avec l'américain MSD, ou Merck, comme ils sont appelés là-bas, était approuvée récemment par l'FDA. Donc, on avait traversé un des autorités réglementaires les plus importants au monde avec notre demande d'essai clinique. Et donc, on a maintenant la possibilité de faire cet essai clinique aux États-Unis. Après, on a le NOX-36. C'est le deuxième molécule qui cible notre chimiokine. Et ça, on aimerait bien développer dans les tumeurs solides. Nous avons une équipe expérimentée.
J'ai déjà dit quelques mots sur mon parcours, mais je vais souligner quelques personnes. Le fait que nous avons focalisé la société sur les tumeurs solides nous a permis de recruter des gens comme Dr. Jon Elias, qui est un oncologue qui avait traité les patients et puis il allait dans l'industrie pharmaceutique. Il a amené plusieurs médicaments à l'approbation, y compris pour les cancers les plus difficiles à traiter, comme le cancer du pancréas. Et notre conseil scientifique, nous avons Monica Hegge qui a découvert le seul biomarqueur prédictif utilisé aujourd'hui dans le traitement du glioblastome, qui prédit si, oui ou non, les patients vont répondre à la chimiothérapie standard. Et Michael Lim, qui est lui à la tête du département de neurochirurgie à Stanford University et qui a en parallèle un laboratoire de recherche fondamentale. Une petite question à des participants. Au final, combien de salariés? Et aussi, deuxième question, où êtes-vous situé géographiquement? Merci pour la question. Nous avons à peu près 14 salariés en total et les bureaux, et là où tout le monde se situe, c'est à Berlin. Alors, notre approche, moduler les chimiokines. Les chimiokines, c'est panneaux de signalisation pour augmenter le traitement anti-cancer. Alors, ça ne vient pas de nous. Ça décrit comment le système immunitaire peut guérir le cancer. Et en fait, c'est par deux chercheurs, Doug Chen et Melman. Et en fait, chaque cellule cancéreuse a quelque chose de différent de nos cellules qui ne sont pas cancéreuses. Sinon, ils ne pouvaient pas devenir un cancer. Avant, on pensait que le système immunitaire n'arrivait pas à distinguer ces cellules des cellules non cancéreuses. Mais c'est faux. En fait, on arrive à identifier les différences, ce qu'on appelle les antigènes. Ça, c'est les premières étapes. On arrive à créer une réponse immune. Donc, il y a les cellules qui enseignent les tueurs du système immunitaire, les cellules T. Il faut attaquer celui-là. Et après, les cellules T migrent vers le tumeur. Après, ils doivent infiltrer le tumeur et toucher directement les cellules cancéreuses pour vérifier, voilà, si c'est cancéreux ou pas. Après, ils le tuent. Et en évitant les chimiokines, donc, si j'ai plus ou moins compris. Alors. Bah, les chimiokines sont clés pour cette partie de infiltration. Voilà. Et Donc il faut les éviter. Bon, bah, grosso en modo. fait, c'est là où, souvent, dans les tumeurs solides, cette étape entre 5 et 6, là, les tumeurs émettent des chimiokines, comme le CXCL12, le cibre de notre molécule NOXA12, qui les bloquent. Ou les hommes, ils les bloquent, ou ils les font faire un détour dans une partie du tumeur où, en fait, il n'y a pas des cellules cancéreuses, il n'y a que le tissu supportif. D'accord. Donc, c'est ça qu'on attaque. Alors, mais c'est possible. Et on sait, anecdotiquement, il y a des gens qui guérissent les cancers depuis longtemps. Mais c'est que dans les dernières 10-15 années qu'on arrive à dire, oui, nous, on peut, avec des médicaments, pousser le système immunitaire, aider le système immunitaire à tuer les cellules cancéreuses. Alors, où est-ce qu'on est? Donc ça, ce sont des données des États-Unis, et je pense que c'est très intéressant. La ligne bleue, c'est le pourcentage de tous les patients avec un cancer éligibles pour une immunothérapie. Alors là, on commence à approcher 50%. La ligne orange, c'est le pourcentage des patients qui en reçoivent un bénéfice clinique significatif. Réponse partielle ou réponse complète. D'accord, effectivement, donc il y a un gros gap de gens qui ne, pour qui l'immunologie ne marche pas. En fait, voilà, c'est ça. Donc, on a tous lu dans les journaux les histoires des patients guéris par l'immunothérapie. Malheureusement, comme on constate là, c'est une minorité des patients. Donc,
il y a un consensus dans parmi les chercheurs que le micro-environnement tumoral est un des clés pour monter tous ces chiffres, à la fois les patients qui sont éligibles, les tumeurs éligibles pour l'immunothérapie et le pourcentage qui répond d'une manière significative. Donc comment est-ce qu'on fait nous? Donc voilà, je remontre cette cycle anti-cancer du système immunitaire et j'ai marqué les endroits où nous on intervient. En fait, il y a une partie là où les cellules endommagées ou les tumeurs endommagées doivent se réparer. Et pour cela, ils appellent les cellules de la moelle osseuse. Donc, ils les recrutent et ils rebâtissent, par exemple, les vaisseaux. Nous, on peut bloquer cette réparation. Et là, ici, dans les steps d'infiltration, nous, on bloque l'infiltration. On bloque les chimiokines qui gardent les cellules du système immunitaire à l'extérieur. Donc, on augmente l'infiltration de ces cellules tueurs du système immunitaire. D'accord, vous cassez la protection et puis vous cassez aussi la capacité de la tumeur à se reconsolider ou se redévelopper. Exactement. Ah, voilà. Alors, maintenant, je vais tourner vers le glioblastome, cette cancer du cerveau très agressif. Et ce qu'on avait fait en combinant NOXA-12, notre molécule, la radiothérapie et d'un bras d'extension, le bevacizumab, cet agent qui est antivasculaire. Quelques mots sur la maladie elle-même. Il est orphelin, on avait déjà dit. La survie à 5 ans, c'est autour de 4%. Donc c'est vraiment parmi les cancers les plus mortels. La survie globale médiane, et encore la médiane, c'est quand la moitié des patients reste, hein, c'est 12 à 15 mois. Donc, en fait, vous avez à peu près un an à vivre si vous êtes diagnostiqué, en moyenne. Bon, ça, c'est un tableau pas très réjouissant. Et parmi ces patients, il y a même des patients qui ont des besoins encore plus élevés. On sait que 50% des patients ne vont pas répondre aux chimiothérapies standards, malheureusement, et on peut détecter ça en avance. On sait le faire. Il y a aussi les patients pour lesquels les chirurgiens n'arrivent pas à enlever tout ce qui est détectable. Il faut dire que la chirurgie est jamais curative dans cette maladie parce qu'il y a toujours des infiltrations. Mais s'il reste du tumeur détectable avec les IRM, c'est encore pire. Et j'aimerais bien souligner que tous les patients dans notre essai clinique, ils ont les deux problèmes. Hein. Donc résistance à la chimiothérapie. Voilà. Et deuxièmement, on ne peut pas enlever la tumeur qui reste. Donc il y a une tumeur détectable qui reste et on sait que cette tumeur est résistante à la chimiothérapie. Exact. Là, c'est une courbe de survie. En bleu, c'est les patients sensibles aux chimiothérapies. Et en rouge, c'est les patients qui sont résistants aux chimiothérapies. Et vous voyez le pourcentage de survie avec le temps, malheureusement en moins, ici, diverge d'une manière significative. Les patients dans notre étude sont encore pires. Parce que là, Là, il y a des patients où les chirurgiens ont réussi à tout enlever, en tout cas tout ce qu'ils voient. Donc, s'il y avait une ligne pour nos patients, ça serait un peu à gauche. Donc, comment est-ce qu'on agit? Donc, on combine avec la radiothérapie. La radiothérapie fait quoi, en fait? Ça brûle les vaisseaux, ça les détruise, ça tue quelques cellules cancéreuses aussi. Donc, cette destruction des vaisseaux déclenche une hypoxie. Donc, comme partout dans le corps, quand il y a un manque d'oxygène, il y a une alarme qui déclenche. L'alarme s'appelle une protéine HIF, qui a le nom HIF1. Alors, HIF1 elle-même déclenche la production et la sécrétion par les cellules des deux facteurs qui ont comme but de refaire des vaisseaux sanguins. Alors, le CXCL12, qui est notre cible, et le VEGF. Qui est
qui pousse un procédé qui s'appelle l'angiogenèse. Alors, l'angiogenèse est testée déjà. Donc, la molécule anti-VEGF qu'on utilise en combinaison avec notre molécule, en fait, a été testée seule ou avec la radiothérapie, mais ça n'a pas donné un bénéfice en termes de survie. Et on pense savoir pourquoi, parce que, en fait, d'abord, la vasculogenèse, qui est la manière de faire pousser les vaisseaux qu'on bloque quand on bloque le CXCL12, est dominante. Mais si on bloque un des deux, il y a toujours l'autre qui reste. Donc c'est pour ça que finalement, on avait bloqué les deux dans cette bras d'extension pour voir ce qui se passe. J'ai dit d'ailleurs qu'au début, on était convaincu que bloquer le CXCL2 seul allait être suffisante. Les chercheurs à l'université de Stanford avaient montré que notre médicament après la radiothérapie donnait 100% de réponse complète, dont deux tiers durables. Donc les animaux, ils meuraient sans tumeur à la fin. Vous avez testé ça sur des animaux qui avaient du cancer du cerveau. Du cerveau. Voilà, ils ont donné avec un carcinogène un tumeur de cerveau à des rats, en fait. Mais comme souvent, les rats ne sont pas les humains et les humains sont plus difficiles à traiter. Donc, tout le travail qu'avait fait ce chercheur à Stanford avait déclenché une demande des cliniciens qui traitent ces patients de tester ce médicament. Donc, on a actuellement cet essai qui est en cours à 6 centres universitaires en Allemagne. Et les patients recrutés ont tous un cancer du cerveau, le glioblastome, nouvellement diagnostiqué, où les chirurgiens n'arrivent pas à tout enlever, et où on sait, avec les diagnostics de MGMT, que le tumeur ne va pas répondre aux chimiothérapies. Donc la survie attendue pour ces patients est malheureusement autour de 10 mois, survie globale. Donc, le premier bras de patients que nous avons testé, c'était la radiothérapie standard qui dure 6 semaines avec le Noxa-12. On avait testé 3 doses, 200, 400 et 600 mg par semaine. Je dirais un mot sur la sécurité et la tolérabilité. C'est une molécule qui était d'abord testée chez les volontaires sains. Donc, ce n'est pas une molécule comme une chimiothérapie standard. Il est très bien toléré. On ajoute presque rien aux effets secondaires qui ont les patients, en plus de ce qu'ils reçoivent de la maladie elle-même et les autres traitements. Après, on avait fait une bras d'extension en ajoutant à la radiothérapie et la Noxa-12 cette molécule, le bevacizumab, l'anti-VEGF. Et je vais parler de ce bras-là ce soir. Donc voilà, je vous remontre les données. Les patients traités avec le standard des soins, avec 75% qui ont comme meilleure réponse progression du tumeur. La radiothérapie plus le Noxa-12, notre molécule, les trois doses mélangées. On avait dessiné la dose la plus bas pour déjà être efficace et on n'avait pas vu des différences significatives comme d'efficacité. Alors comment s'était accueillie cette nouvelle par la communauté des cancérologues ou en France, aux États-Unis? Est-ce que vous avez vu Il y a beaucoup d'intérêt, surtout pour cette bras de combinaison-là où on a ajouté l'anti-VEGF parce que là, à 15 mois, qui est 50% de plus qu'attendu, on a 5 sur 6 patients en vie. Et tous les patients, tous les tumeurs ciblés, ils étaient réduits, pas plus que 50%. Donc, c'est un résultat très fort. Et on ne sait pas pour le moment combien de temps ils vont vivre, parce qu'on est à 15 mois et ça va s'améliorer, parce que les chiffres
utilisé par les oncologues toujours, c'est ce qu'on appelle la médiane. Donc c'est quand la moitié, il reste que la moitié des patients. Alors ceux qui sont toujours en vie, ils sont dans quel état? Est-ce que c'est une survie qui vaut le coup? Alors c'est, on peut s'attendre que les choses vont pas bien, mais c'est pas le cas. La dernière nouvelle qu'on a pour tous les cinq, c'est qu'ils sont cliniquement stables. Et ça, c'est une excellente nouvelle, et même une étonnante nouvelle. La première patiente qui est sous traitement pour presque 19 mois, d'après ce que m'avait dit le docteur Giordano il y a 2 semaines, continue à gérer son entreprise familiale. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas juste qu'elle survit, elle continue à vivre sa vie. Et c'est ça le plus important. Alors là, vous voyez les 5 patients qu'on continue à suivre. Là, il y avait malheureusement un patient qui avait décédé. Ce patient-là avait probablement déjà, avant le début de traitement, une partie du tumeur qui est allée dans le liquide céphalorachidien. Donc, il n'était pas ciblé par la radiothérapie, malheureusement. Et donc, le patient a décédé rapidement. Les âges des patients, à peu près, il y avait un petit critère d'âge? Ce qu'il faut savoir, c'est le glioblastome, c'est une maladie qui arrive souvent avec l'âge. Donc, la gamme d'âge pour nos patients, c'est entre 53 et 68 ans dans cette partie de l'étude. Malheureusement, pour nous, c'est plus souvent les hommes. Bon, le patient typique, si je dirais comme ça, c'est un homme plus âgé. Alors, quelques images, parce que bon, les images parlent souvent plus fort que des mots. J'espère que vous pouvez tous voir ça sur l'écran. Oui, je vois ici. Je pense que oui. Alors, là, ça c'est la lésion la plus grande, ce qu'on appelle la lésion cible, ou target lesion, TL en anglais. Et la petite croix en rouge, c'est les mesures. Donc, c'est avec les deux lignes qu'on mesure la taille du tumeur. Et là, vous pouvez voir, avec les semaines, 9 semaines, 18 semaines, etc., la taille réduit avec le traitement. Jusqu'au moment, en 44 semaines, il ne reste que le petit point, là. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps pour étouffer le tumeur avec cette traitement, mais ça peut marcher. Ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'il y a des lésions plus petites, là et là, qui ont disparu complètement. Alors, j'ai dit que nous avons pris les patients parmi les pires, parce qu'ils ont la tumeur résiduelle après la chirurgie qui est résistant à la chimiothérapie. À peu près 50% des patients, les chirurgiens arrivent à enlever tout ce qui est détectable. Donc dans ce cas-là, nous pensons et nous espérons que ça va répondre plus comme ces lésions plus petites qui vont disparaître complètement. Alors, quelques mots sur la proposition de valeur. Donc, il y a 2 tumeurs qu'on cible. Pour le moment, c'est le cancer du cerveau en priorité, parce qu'on a des résultats vraiment fabuleux, et on veut développer ça d'abord. Presque 30 000 patients entre les États-Unis et l'Europe. En termes de durée de traitement, on pense au moins 12 mois. Et c'est avec 12 mois de traitement qu'on avait modélisé le marché qui est adressable. Donc ça, c'est 12 mois de traitement dans le meilleur des cas. En espérant que le patient soit complètement guéri au bout de 12 mois. En fait, on va probablement traiter. Quand les patients, même quand ils répondent, je pense qu'il y a peu de médecins qui vont dire « Bon, on arrête le traitement tout de suite. » Donc, avec les données qu'on commence à sortir maintenant, et par exemple, ces images-là, d'un patient qui répond bien, je pense que 12 mois, c'est peut-être un peu court, mais en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé pour estimer le marché.
Et c'est quand même 2 milliards et demi par an. C'est plus petit que le cancer du pancréas, bien sûr, qui est plus grand en termes de population atteint. Mais c'est quand même un marché important. Donc, comment vous calculez ces 2,5 milliards par rapport, en gros, on dirait presque qu'il y a multiple de... Il y a multiples de 10 000, on dirait, c'est ça c'est... En fait, on a pris la population nouvellement diagnostiquée. On avait estimé 5 000 dollars par mois pour les patients en Europe et 10 000 aux États-Unis, où les prix des médicaments sont plus chers. D'accord, et ça c'est une valorisation spécifiquement sur le NOX-A21 qui s'ajoute pour le patient ou pour le système de soins aussi à la radiothérapie et au Bevo aussi. Tout à fait. Exact. Comme c'est le NOX-A12 qui est la clé, donc le bevacizumab, il est déjà générique. La radiothérapie, il existe depuis longtemps. Mais si c'est le NOX-A12 qui est la clé pour déverrouiller cette tumeur pour le traitement. Et c'est le médicament qui va être le seul, qui est propriétaire et à une société. Je pense qu'on peut atteindre ces niveaux de prix et de remboursement dans ces deux régions. C'est le Merck avec le Keytruda, il peut facturer beaucoup plus. Et des thérapies basées sur les cellules, ça chiffre à des centaines des milliers d'euros par patient. Donc je pense que pour une maladie qui est pour le moment pas du tout traitable d'une manière satisfaisante, c'est pas trop à demander. D'accord. Et le seuil pour une prise en charge par exemple par la sécurité sociale en France ou par le système de soins en France, le seuil d'augmentation de durée de vie, est-ce qu'il y a un seuil d'ailleurs? Est-ce qu'il faudrait vous prouver qu'il y a au moins 5 mois, 10 mois pour que... Souvent c'est exprimé en pourcentage d'amélioration par rapport à ce qui existe. Hein? Donc souvent pour l'oncologie, on veut montrer au moins 20-25% d'augmentation d'espérance de vie. Hein? Donc là, surtout pour les patients qu'on cible, qu'on avait ciblés dans cet essai clinique, qui sont parmi les patients avec la prognose le pire au moment des diagnostics, là, on avait déjà montré avec les patients 50%, mais ça va être plus long. Donc je pense qu'on est... Si ça se confirme avec des essais cliniques supplémentaires, je pense bien qu'on va rentrer dans les systèmes de remboursement. D'accord. Ouais. Donc financière, on a les 14 employés, on garde les connaissances clés en interne liées à notre médicament. Et la fabrication et l'utilisation dans la clinique. En termes de trésorerie et visibilité financière, nous avons de visibilité jusqu'en décembre. La capitalisation de la société, il est faible. Hein. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. Parce que nous avons des résultats formidables et je pense que c'est pas assez bien connu. Donc j'aimerais bien partager ces résultats formidables et notre projet de guérir les gens avec les glioblastomes avec tout le monde. Une petite question sur votre visibilité financière effectivement jusqu'à décembre. Qu'est-ce que vous prévoyez déjà de faire? Une augmentation de capital? Un partenariat, ou est-ce que vous pouvez être racheté? Quelles sont les possibilités pour vous? En fait, vous avez nommé presque toutes les possibilités. Hein. Donc, on peut faire une augmentation de capital. On parle avec les investisseurs, surtout récemment avec les données. On est en train de parler avec des investisseurs en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, on parle avec les partenaires potentiels.
surtout dans l'industrie pharmaceutique, à la fois les grandes sociétés, mais aussi les plus petits, qui sont peut-être plus intéressés de prendre des risques. Hein, parce que ça reste quand même un programme dans une maladie qui est dure à traiter, hein, même si les résultats sont formidables. Et après, oui, les fusions et acquisitions, ça c'est quelque chose qu'on avait dit toujours, on est ouvert à des discussions. D'accord. Alors, comme il y a beaucoup de questions... Il y a beaucoup, super. Bah, si, voilà, je suis arrivé au fin de la présentation, donc c'est super qu'on a des questions. Une première question sur la concurrence, voilà, ou les sociétés qui peuvent faire à peu près la même chose que vous. Oui. Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur la même chose que vous, qui pourraient vous dépasser? Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que, voilà, comment vous positionnez par rapport à ce qui existe et aux concurrents? D'abord, je dirais que il n'y a pas une société à notre connaissance qui travaille sur le même axe dans les glioblastomes. Hein. Et tous nos concurrents, ils ne travaillent pas sur le CXCL12, mais seulement un de ces deux récepteurs. Donc il y a un blocage incomplet du signal de CXCL12. Donc c'est pour ces raisons-là que nous sommes convaincus qu'on va avoir une efficacité meilleure dans les tumeurs. En termes d'autres sociétés dans les glioblastomes, il y a bien sûr des concurrents. Hein. Parmi les concurrents plus avancés que nous, je peux citer, il y a de novo Biopharma avec la enzastaurine, et Kintara avec le Val-083, Biohaven Therapeutics, et Vigeo, qui sont tous dans le phase 3. Mais ce qui est intéressant avec ces molécules, c'est que, par exemple, de novo, il y a souvent des molécules qui étaient rejetées du Big Pharma, parce qu'ils avaient échoué, qui étaient rachetées. De novo, par exemple, vendu par Eli Lilly. Hein. Et donc, il y avait tout un travail de biomarqueurs à faire avant de vraiment aller dans le glioblastome. Donc ça c'est, je pense que il va y avoir beaucoup d'échecs parmi ces groupes, malheureusement, juste compte tenu de l'histoire derrière ces molécules. D'ailleurs, il y a à peu près un an, il y avait 3 molécules de plus dans phase 3. Dans le glioblastome, qui avait échoué. Donc, en termes de concurrence, je pense qu'on a un très bon positionnement, à la fois en termes de nouveautés, de mécanismes d'action, de logique, de mécanismes d'action, et les données maintenant qui commencent à sortir, qui sont très très forts. D'accord. Au type de questions, hein, plusieurs l'ont posé d'ailleurs. Donc, vous avez parlé d'augmentation de la durée de vie des patients. Est-ce que la guérison complète, éradiquer complètement la maladie, est-ce que c'est une chose qui... Bien sûr, c'est compliqué peut-être de se projeter, mais voilà, est-ce que c'est un horizon qui vous semble... C'est notre but, Jean-Baptiste. C'est notre but de guérir ces patients. Hein. On a 2 patients qui ont eu... plus de 99% de réduction tumeur. On a un autre patient qu'on suit de très près et qui se porte très bien. J'espère pouvoir dire davantage dans les semaines à venir. Mais oui, je pense que c'est pensable. Alors, il y a aussi des questions. Alors, on va passer maintenant au côté plutôt réglementaire, hein, auprès de vos démarches auprès de la FDA. Oui. La Food and Drug Administration américaine, donc, et pourquoi pas aussi de l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament. Oui. Voilà, où est-ce que vous en êtes et quels sont les process en cours? Quelles sont vos prochaines échéances? Là, on est en train de débattre en interne quand est-ce qu'on y va pour demander, pour discuter.
Je pense que le plus important et le plus efficace, c'est d'aller quand on a un bon recul sur la survie des patients. Je pense qu'on n'en est pas encore là, hein, parce qu'on a 5 sur 6 en vie à 15 mois, alors que j'expliquais que c'est la médiane qui est le chiffre utilisé souvent pour les essais cliniques et les autorités réglementaires. Donc il faut vraiment attendre encore un peu, je pense. Et on va aller, bien sûr, parler avec l'FDA et les autorités européennes pour définir avec eux le chemin le plus efficace d'amener ces molécules à des patients. D'accord. Après, il y avait quelques questions. On va retourner un peu au financier. Est-ce que c'est la fin des OCA, des obligations convertibles en actions, et c'est, en particulier avec Atlas? Quelle est votre position par rapport aux obligations que vous aviez déjà émises par le passé? Oui, en fait, nous avons terminé l'accord avec Atlas, donc la société ne peut plus tirer des obligations. Il en reste des obligations. Il y a 2207 obligations qui restent, si je me souviens bien, qui a une valeur de 2 millions d'euros à peu près. Donc, il reste des obligations, mais avec la dernière financement, on les avait gelées pendant 6 mois. Donc, il y a, pour ces 6 mois, il n'y a pas d'obligation qui va être convertie. Je pense qu'on avait des questions sur ce dernier financement. Je vais peut-être rappeler tout le monde de structure. Ce qu'on avait levé, il y avait 2 millions d'argent qui est entré dans les caisses de la société. Toutes les actions créées dans cette transaction, une partie nouvel argent pour des actions, une partie conversion aussi des obligations convertibles, au même prix, mais toutes les actions sont avec notre banque d'investissement et notre listing sponsor, Invest Securities, qui gère les actions. Donc ils sont dans un lock-up, un verrouillage souple, ce qui veut dire que si les investisseurs souhaitent que les actions soient vendues, ils peuvent, mais seulement si Invest Securities considère que ça ne va pas nuire à le cours d'action. D'accord. Donc c'est typiquement ce qui est fait après des introductions en bourse, par exemple. Donc ils gèrent les actions en fonction de la liquidité, du prix, etc. D'accord. Deux petites questions aussi, toujours sur le même sujet. Un, les principaux actionnaires. Et deuxièmement aussi, une autre question aussi sur la valorisation globale que vous pouvez estimer. Je sais pas si, et aussi peut-être dire juste un mot sur l'évolution du cours de bourse. Oui. Voilà. Oui. C'est un peu globalement sur ces trois sujets-là. Oui. Actionnaire et puis valorisation cours de bourse. Actionnaire, c'est divisé vraiment en trois parties. On a une forte partie des actionnaires qu'on dit retail ou petits porteurs. Certaines qui ont investi beaucoup. Hein. On a des individus qui se sont intéressés dans la société, qui ont investi à titre personnel, des individus qui ont beaucoup de moyens. Et on a des gérants de fonds qui ont investi. Et parmi ces gérants, il y a bien sûr Atlas, qui détiennent surtout... dans cette partie d'action verrouillée, pas mal d'actions. D'accord. Après, en termes de la valorisation, si je suis là pour communiquer sur les données, c'est notre conviction que cette molécule doit développer et que ça a une valeur significative. Après, c'est le marché qui détermine la valeur. Mais moi, je trouve que, personnellement, je trouve que ça doit valoir plus que
que la valeur totale aujourd'hui. D'accord, certainement dans les prochains mois, plus la durée de vie va s'allonger, peut-être que dans 5 mois, 6 mois, 12 mois, effectivement, avec l'allongement de durée de vie. Là, on est à 15 mois. L'espérance de vie quand les patients sont rentrés dans l'étude était de 10 mois. Donc là, on est à 15 mois et ça va continuer. Tant qu'on continue à suivre ces patients et tant qu'ils restent en vie. Donc c'est très important de savoir que les 15 mois, c'est pas le chiffre final. Hein. Donc nous, on suit ça. Mais en fait, les patients, ils continuent à vivre leur vie. Hein. Très bien. Eh bien. Écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions, puis effectivement, l'heure a beaucoup avancé. Il me reste bien sûr à remercier tous les participants et leurs questions nombreuses. Hein, j'espère que j'ai oublié pas trop de personnes. Aram Mangasarian, merci beaucoup pour vos explications très claires. Hein, bravo aussi pour ces résultats. On va suivre ça avec attention, donc hein, les prochains mois, les prochaines années, oui. Vos évolutions de tests cliniques, les différentes étapes, hein, l'étape 2, l'étape 3. Peut-être que je vais vous laisser le bout de la fin. Merci Jean-Baptiste. Écoutez, merci à vous et merci aux gens qui sont connectés pour regarder ça. Nous avons une histoire formidable. Notre but est de guérir le cancer du cerveau et je suis très content que vous nous accompagniez dans cette mission. Merci beaucoup Aram. Bonsoir à tous. Bonsoir.